Team Pika, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester des produits de chez Action pour la voiture, les petits potes. Je suis allé à Action, j'ai acheté tout et n'importe quoi pour la voiture. Et on va tester tout ça sur ma voiture qui est juste ici. Attention, est-ce que vous êtes prêts à la voir? Audi R8, les amis, pour les connaisseurs, bonne voiture. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon, vous allez voir, les amis, j'ai vraiment acheté tout et n'importe quoi. Dites-vous que j'en ai eu pour 93€. Et 93€ chez Action, c'est cher, hein, quand même. N'hésitez pas à mettre un gros like, je compte sur vous. Bombardez la barre de pouces bleus. Commentez pour me dire quelle est votre voiture préférée. Et abonnez-vous, je compte sur vous si jamais c'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos. Bon, on va y aller tranquille, ok, on va y aller un par un. On va les rajouter sur la voiture et on verra bien ce que ça donne à la fin. Si c'est dégueulasse ou si c'est beau. Premier objet, attention. On va commencer par cet objet qui sont des LED xénon ou je sais pas trop c'est quoi à mettre sur sa voiture. Regardez, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est des petites LED qu'on met sur les phares à l'avant et normalement ça donne un truc magnifique. On va ouvrir ça, je sais pas trop à quoi ça ressemble. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. En fait, sur la boîte, je sais pas qu'est-ce que ça va donner quand on va les installer. Eh, tu peux pas voler ça, c'est impossible, hein, c'est trop dur. Hein. Ok. Oh là là, qu'est-ce que ces connectiques là? Non, mais je croyais que c'était du plug and play, moi. Comment je vais brancher ça à ma voiture? Je crois qu'il y a un petit problème, ça va pas être trop possible de brancher ça, les amis. Vous savez quoi pour savoir? Faut tester. On va tester ces petites LED très bizarres. Bon, avant de tester quoi que ce soit sur la voiture, de brancher quoi que ce soit, on va voir déjà si ça marche. Faudrait placer ça, genre quelque part. Quelque part par ici. Oh, ça fait bien la longueur en plus, hein. Pour voir les amis si ça fonctionne, j'ai pris une batterie externe avec un câble plus et moins. Et je vais brancher les LED dessus déjà, voir si ça marche. Le rouge va avec le rouge. Le noir avec le noir. Et le jaune, pour moi, c'est un clignotant. Donc pour moi, à mon avis, ça sert trop à rien de le brancher pour l'instant. Attention, est-ce que t'es prêt? 3, 2, 1... Ouais... Enfin, d'accord, le rouge, c'est avec le rouge et le noir, c'est avec le noir. Merde! De merde! Est-ce qu'on essayerait pas sur la batterie directe? Quoi? Tu essayes sur la batterie? T'es sûr de ça? Ouais, au pire ça explose, pas grave. T'es sûr? Ma batterie, attends, elle est cachée là-dedans. La batterie. Oh putain, t'es sûr, Anto? Bah là, tu verras, ça marche ou pas. J'ai peur, Anto. Oh! Ça marche! Les amis, après plus de 15 minutes à trouver comment brancher ces fucking câbles, les amis. Voilà! C'est bon! C'est ici, regardez, les LED xénon. C'est bon, hein? Objet suivant. Allez. Objet suivant. Deuxième objet, j'espère que vous êtes prêts. En deuxième objet, nous avons ceci. Ceci, les amis, est un produit incroyable si jamais vous avez les pneus dégonflés. C'est un mini gonfleur d'air pour les pneus. C'est génial. C'est génial parce que si jamais vous avez les pneus dégonflés, ça peut vraiment vous aider. En plus de ça, regardez comme c'est tout petit. C'est vraiment, ça tient dans ma main. Je sais pas si ça marche bien. Petit manuel. Oh, il y a même un embout pour gonfler les ballons. On peut gonfler les ballons gonflables. Là, on a le truc pour la voiture. Et ça se branche à l'allume cigare. Oh, il y a du câble. Hein. Ils ont mis la masse de câbles. Oui, tu peux faire bien le tour de la voiture, c'est sûr. Oh, c'est très grand. Franchement, je sais pas ce que ça vaut. Oh, il y a même le truc de pression. Regardez à combien de pression on est. Eh, c'est incroyable, hein. Dites-vous que ça, je l'ai payé, je crois. Mini compresseur, 9€. Eh, c'est pas cher, hein. C'est parti, on va tester tout ça. Le gonfleur à pneus, les amis. Je sais pas ce que ça va donner. Franchement, bon, après, est-ce que déjà je peux voir la bonne pression de mes pneus? Je suis à 2 bars. Qu'enfin, maintenant, c'est qu'on va brancher le compresseur à l'allume-cigare de la voiture. On va mettre sur on. On va allumer l'électricité. Oula, entretien dans 22 jours. Ça va coûter cher. 2, 1. T'es sûr que ça marche, ça? Je vais essayer, tu sais quoi, sur un ballon de baudouche. Attention. C'est long quand même. Hein. J'approuve cet objet. Après, c'est sûr que pour gonfler un pneu, t'as une heure devant toi, c'est bien. Ok. Troisième produit de chez Action, on a ça. Et c'est encore un appareil électronique, je kiffe. Ceci, les amis, est un maintien de charge pour voiture. Bon, j'espère juste que la R8 va pas prendre feu quand on va le brancher, parce que bon, ça vient quand même de chez Action. Mais normalement, c'est censé maintenir la batterie. En gros, je vous explique pendant que je déballe. Les véhicules, ils ont besoin de tourner pour que la batterie recharge. Si jamais votre véhicule, vous le laissez pas tourner, la batterie se décharge. Et après, vous pouvez plus démarrer. Ben ça, en ffait, si jamais vous avez un véhicule qui dort, comme la R8, ça va vous permettre en fait de maintenir la charge et que votre batterie s'abîme pas. Ça, c'est très cool. On a le bloc, on a la prise, on a ça. En gros, ça, je pense que tu dois le brancher comme ça. Ça, ça se branche à la batterie, ça à la prise et ça charge votre batterie. Est-ce que ça marche? La batterie. Le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Maintenant, ça, faut le brancher. Et... Select voltage. C'est en 12, là? Ouais. Bah, c'est que c'est bon. C'est bon? Ouais. Et quand c'est vert, c'est quoi? C'est que ça clignote? C'est que c'est bon ou c'est que c'est pas bon? Bah, je crois que c'est bon, non? C'est que t'as de la batterie. Ou c'est que c'est en route? Mais ça, faut... on aurait dû tester bien, c'est le camion, non? Parce que le camion, il a zéro, il est à sec. Le camion, il est à sec? Ah ouais, il démarre pas. T'es sûr? Ah oui, il fait clac, clac. Testons sur le camion! Les amis, nous allons tester sur le camion d'Anto qui ne démarre plus. Vas-y, essaye de démarrer pour voir!
On est dans des Shetland ici, yo. Sérieux, quoi. Tiens, je te donne ça. Cadeau. Bon, le camion est vraiment à zéro. On va voir si ça, ça marche bien. Le moins. Sur le moins. Ça charge, là hein. Le chauffeur entre non, 6. C'est 12, 12, 12. Attention. Bah les amis, ça ne marche pas. Voilà, on n'arrive pas à faire démarrer la voiture. Alors je sais pas si ça... Je sais pas, ça marche pas. Tantôt, pas trop déçu. Tarpé. Quatrième objet les amis, on a ça. Ce sont des petites LED que vous mettez à l'intérieur de votre voiture pour un peu faire du design. Sympa, non? Non. Ça va être... Non? Non. Il y a 2 mètres en plus. 60 LED, ça va être beau je pense. On va l'ouvrir. Je pense qu'il y a moyen de bien pimper sa caisse. Hein. On va pimper ta caisse, Anto. Non. Sur la BM. Pas du tout. Petite télécommande. Petite LED. On dirait les LED que je mets chez moi, ça. Et là, nous avons. Oula, mais c'est une turbo. J'en ai une petite caisse. C'est le boost. Les amis, nous allons tester les LED dans la R8. Les amis, nous allons tester les LED intérieures. Je sais pas ce que ça va donner, franchement. Déjà pour installer ça, parce que on le sait, toutes les LED, ça fait ça. Ça ne se colle jamais. Tous les trucs de collage et tout, ça tient jamais. Ouais. Tiens pas, viens, regarde, ça colle pas. Eh ouais, mais c'est du plastique, c'est du bon plastique, tu vois. Ah, c'est moi qui ai une technique. La technique guirlande. En local. Maintenant, faut ça. On branche ça à l'allume-cigare. T'es prêt? Tiens. Oui. Oh, oh. Hey, c'est pas si mal quand même. Hein. C'est bien rouge comme ton ouais, ta voiture. Ça. En vrai, il peut avoir quelque chose, hein. En vrai, ouais, si on le passe bien. Au vert. Bleu. Bleu. Vert. Violet, rouge. Je valide la petite light intérieure. Parfait. Cinquième objet. Là, à mon avis, il va vous plaire celui-là. Parce que c'est très chiant et ça, ça va aider tout le monde. C'est ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Ce sont en gros tout simplement des stickers que vous mettez sur vos rétroviseurs. Ben, ils sont mouillés, on voit rien. Ben, ça, en gros, ça permet que l'eau ne va pas sur vos rétroviseurs. Et du coup, ça peut être grave utile. On va tester ça, let's go. Est-ce que ça va marcher? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je sais pas si c'est adapté pour tous les rétroviseurs. Tu vois, parce que des fois, tu as des rétroviseurs qui sont plus gros que d'autres. Alors, comment ça se fout? Ok, ça ressemble à ça. Ça n'a pas l'air dégueu. Alors ensuite, je crois qu'après, il faut coller ça ici. Voilà. Le numéro 2. Voilà. Maintenant, est-ce que ça marche? C'est ce qu'on va tester. Imaginons que ça, c'est un rétro et ça, c'est de la pluie. Hop. Oh. Ça marche? Ah ouais, ça marche bien. Hop. 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 C'est un peu bizarre, non? Ouais. Je crois qu'on voit mieux sur mes rétros que sur le truc, en fait. C'est flou, non? Attends, je vais essayer de remouiller ça. T'es prêt? La pluie! Ouais, on voit mieux sans achat bidon. Mes amis, c'est pas validé. On voit mieux sans le produit. Sixième objet. Hop là. Ça, c'est du carbone, Anto. Oh non, arrête. Si, si, si. Allez, c'est un carbone. Autocollant covering carbone. Oh non. Pour rajouter du carbone dans sa voiture. Je pense que ça peut être pas mal. Hein. On est bien à la qualité de chez Action. C'est de la bonne qualité. Oh l'enculé. Waouh. Ça se voit que c'est imprimé. Je suis sûr, quand tu regardes comme ça, on dirait que c'est bien. Oh, c'est la rute. Bon, on va tester sur la rue, c'est parti, let's go. Les amis, covering. On va allumer. Oh, bah, c'est déjà allumé, c'est bon, c'est parfait. On va enlever le petit scotch. On va prendre, je vais essayer de faire cette partie-là qui n'est pas du tout en carbone. Faut savoir qu'elle est full carbone, ma voiture. Yeah! Il y a des carbones ici, carbone là, carbone sur les côtés et tout. Alcantara. Alcantara, c'est de la peau de chameau, non? Je sais pas, mais c'est tout doux. Du coup, on va mettre carbone ici. Là, c'est du carbone, hein, c'est résistant. Hein. Attention, acheter 2 euros chaque fion. Oh, je te jure, installé. Bon, ça colle pas sur ma voiture, mais ouais. Installé, genre bien plaqué. Hey, je te jure, bien plaqué, on pourrait y croire. On va trouver une surface où ça va coller. Franchement, hey, autocollant carbone, validé. Hein. Validé. Le carbone, 7ème objet. Hey, ça fait beaucoup là quand même. Hein. Tu m'étonnes, ouais, ça 93 euros. C'est être pimpé. Hein. On a ça. Les amis, ça c'est incroyable. Je sais pas comment je vais installer ça sur la voiture, mais voilà. En gros, c'est une dashcam qui aide en fait à se garer. Fait aussi caméra pour filmer un petit peu la route pour les assurances et tout. En gros, une dashcam quoi, pour regarder comment vous conduisez. Voilà, je crois que ça coûtait 26 euros. La dashcam, les amis, j'ai très très peur de l'installation parce que ça, il y a plein de câbles. Ça me fait peur. Je vais pas pouvoir passer comme je veux, donc je pense qu'on va l'installer à l'arrache. On va voir déjà si ça marche. On a déjà en tout premier l'écran avec le support. Et ça, ça se branche ici. Ah carrément. Voilà. Bon, il faudra aussi une carte SD, mais on en a pas. Ensuite, on a la caméra de recul. Se branche ici. Ensuite ça, c'est pour l'allumer. Et maintenant, faut le brancher. Attention. Oh, je vois. Insert, please, caméra. Et là, c'est la caméra. Oh, mais je me vois aussi.
On se voit? Ah ouais? Mais oui! Toi, ça enregistre! Ah oui! Franchement, c'est pas dégueu. Bon, je l'ai payé quand même 28 balles. Moi, je valide parce que ça peut dépanner sur des petites voitures ou des gens qui savent pas faire de marche arrière. On peut voir. Ou si jamais vous avez pas de chance, que vous faites souvent des accidents, au moins là, vous avez une preuve pour dire que c'est pas vous le responsable. Bon, les petits potes, j'espère que vous avez kiffé tous ces produits de chez Axon. Au moins, on les a testés. On essaiera pourquoi pas dans les prochains mois de retester les nouveaux produits qu'il y a. Dites-moi si vous, vous avez kiffé en commentaire. Je compte sur vous. Likez cette vidéo si jamais vous en voulez d'autres. En tout cas, abonnez-vous. Je compte sur vous. Merci à tous les nouveaux qui s'abonnent. Ça me fait super plaisir. En tout cas, les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Plus. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles, les potes. Go les choper en description. Il y a toutes les couleurs, toutes les tailles. Donc, je compte sur vous. Go cliquer dans la description.